Bienvenue au centre de restauration de l'art. Ce n'est pas nous, c'est l'Éternel qui vous invite à cette belle journée de louange et adoration car vous avez confiance en Dieu. Welcome to the team. Encore une fois, merci pour votre volonté. C'est des points positifs dans votre vie. Any question or feedback? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter www.centre-de-restauration-de-l'âme.com. Et vous pouvez aussi nous contacter soit par email ou soit numéro de téléphone. Notre email est centre-de-restauration-de-l'âme@gmail.com. Et notre numéro de téléphone est 450-286-1509 ou sur notre page Facebook Centre de Restauration de l'âme, soit sur notre chaîne YouTube Centre de Restauration de l'âme. Merci pour votre confiance en Dieu. Devant, disons, le roi d'Angleterre, nous allions mettre nos meilleurs habits. Nous allions être à l'heure et nous allions venir devant le roi. Et aussi, quand nous voulons honorer quelqu'un qui est au-dessus du roi, comme le Créateur Tout-Puissant, il est bien, non seulement d'être bien dans sa peau, mais d'être bien à l'intérieur. Fait que pour honorer celui-là qui nous a réunis ici, nous allons tout simplement courber nos têtes dans l'humilité pour lui donner la première place, lui dire merci Seigneur, merci parce que c'est toi qui rends possible ce moment, merci parce que nous sommes là à cause de toi et nous sommes là pour t'honorer, nous sommes là, nous avons confiance en toi, nous savons que tu vas faire quelque chose dans nos vies. Est-ce que nous pouvons élever les voix ensemble pour prier le Seigneur? Oui Seigneur, je te bénis, je te rends des actions de grâce, merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui a fait le déplacement pour être en ce moment ici, en ce lieu. Nous te bénissons, toi qui nous as protégé tout au long de la semaine et qui a rendu possible ce moment où nous venons en ta présence pour te parler. Je te remercie, je te donne des actions de grâce. C'est vraiment avec un cœur dans la détresse que nous nous présentons devant de toi, sachant que tu es le Dieu qui exauce, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui est présent et tu vas faire quelque chose de merveilleux encore ce soir. C'est pour ça que nous voulons t'honorer et te donner la première place, saluer ta présence en ce lieu et te dire merci de nous avoir honorés en ce moment. Gloire et louange à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons à prier encore. La parole de Dieu dit une chose. Quand on se présente devant l'Éternel, il faut qu'on s'examine. Parce que la Bible dit que Dieu est saint. Et tu ne peux pas venir te présenter devant Dieu sans t'avoir examiné. S'il y a quelque chose en toi qui entache ta vie, qui peut être un obstacle pour nous en cette soirée, je te donne l'opportunité de te tenir devant Dieu et de dire, Seigneur, me voici, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je me suis comporté mal. Je reconnais que tout à l'heure, j'ai eu des pensées qui ne t'ont pas honoré. Je m'humilie au-devant de toi pour te demander pardon. Pardonne mon péché. Et en même temps, pendant que tu demandes pardon à Dieu, je te donne un autre devoir. C'est de demander pardon, de lâcher les gens que tu peux avoir dans ton cœur. Parce que quand tu dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne mon offense, il faut aussi que toi, tu pardonnes l'offense que quelqu'un t'a fait. Alors vraiment, prenons 2-3 minutes pour parler à Dieu, pour nous examiner, afin de nous présenter devant Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, nous venons encore nous humilier devant de toi et reconnaître que nous sommes des hommes et reconnaître que nous sommes humains et enclins au péché. Nous te demandons pardon d'un cœur sincère comme tu nous le recommandes, afin que, ô Seigneur, notre louange ne soit pas un obstacle ni un parfum que tu désagréable devant toi. Je prie pour moi, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère qui sont dans cette salle et même ceux-là qui vont faire le déplacement, qui sont sur le chemin, afin que tous ensemble, ô Seigneur, tu l'as notre iniquité ce soir. Tu nous purifies par ton sang et que tu nous accordes la grâce, ô Dieu, de pouvoir te louer d'un cœur sincère. De même, nous venons au devant de toi pour relâcher les gens que nous tenons captifs dans nos cœurs. Ceux-là qui nous ont offensés, ceux-là qui nous ont blessés, ceux-là qui ont été une occasion de chute pour nous, ceux-là, ô Dieu Tout-Puissant, qui peuvent encore avoir, ô Seigneur, une discorde avec nous. Nous les relâchons, ô Seigneur, et nous voulons, ô Dieu, que ton sang nous purifie maintenant. Purifie mon cœur, purifie le cœur de ma soeur, purifie le cœur de mon frère et donne-nous, ô Dieu, de nous tenir au devant de toi comme un sacrifice de bonne odeur, agréable à toi. Merci parce que encore le sang de Jésus va faire quelque chose de merveilleux ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier, tu vas prier pour toi qui est là, qui
est présent, toi qui es présent devant Dieu pour le louer, tu vas dire, Seigneur, me voici, je me tiens au-devant de toi comme un instrument et j'aimerais que tu m'utilises à ta gloire. Que mon cœur, mes pensées, mon âme, mon corps donnent gloire à ton nom ce soir. Est-ce que nous pouvons élever les voix? Levons-nous, mettons-nous sur le pied et prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous venons encore au-devant de toi, Seigneur Dieu, pour nous présenter comme des sacrifices. Oh Seigneur, au-devant de toi, pour te louer, pour t'adorer, pour te donner la première place. Nous prions, oh Dieu, afin que toutes nos pensées soient captives à l'obéissance à ta volonté. Nous soumettons, oh Dieu, toutes choses en toi, oh Seigneur, en ce moment, afin que toi seul, tu sois glorifié. Seigneur, pas nous, pas nos membres, pas notre chair, pas notre image, mais ton image, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, donner gloire à toi. Nous prions afin que notre louange atteigne, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton cœur, et que tu agrées et que tu manifestes ta présence pendant que nous sommes assis en ta présence au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. Seigneur, nous te donnons la première place. Prends contrôle ce soir et dirige-nous pendant cette louange, pendant cette adoration, afin que nous puissions glorifier ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux tout simplement saluer ton frère et saluer ta soeur et dire bienvenue dans la présence de Dieu. Tu es au bon endroit. Alléluia. Dans la chaleureusement. Bienvenue, bénis. Bienvenue dans la présence de Dieu. Tu es au bon endroit, ma soeur. Alléluia. C'est vraiment merveilleux, alléluia. Bienvenue à tout le monde. Fait que nous allons commencer notre soirée. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. Alléluia. Il est vivant notre Seigneur. Alléluia. En la première place, Seigneur, prends la première place, prends cette place dans ma vie, prends la première place. Place, celle qui te convient, donnons-lui. Prends la première place, Seigneur, prends la première place, prends la première place, celle qui te convient, donnons-le. Prends la première place, Seigneur, prends la première place, prends la première place, celle qui te revient dans ton vie, en tout lieu, Jésus est là, en première place. En ce moment, Seigneur, prends la première place, prends cette place, celle qui te convient, j'entends-le. Prends la première place, Seigneur, prends la première place, prends la première place, celle qui te revient. Disons-lui, prends la première place, Seigneur, prends la première place, prends la première place, celle qui te revient. Dans mon cœur, dans ton âme, Jésus, prends la première place dans cette église. Seigneur, prends la première place, prends cette place, celle qui te convient, j'entends-le. Prends la première place, Seigneur, prends la première place, prends la première place, celle qui te convient, j'entends-lui. Prends la première place, Seigneur, prends la première place, prends la première place, celle qui te convient. Es-tu prêt à le rencontrer? Jésus est là, il est la vie. Oui, en ce moment, prends-lui la première place. Prends cette place, celle qui te convient, chantons-le. Prends la première place, Seigneur, prends la première place. Prends la première place, celle qui te convient. Disons-lui, prends la première place, Seigneur, prends la première place. Alléluia, Dieu est vivant.
Si tu nous donnes l'opportunité de nous tenir au devant de lui, pour le chanter et pour l'adorer, c'est pas pour rien. Alors, en lui donnant la première place ce soir, il est de Dieu qui va vraiment faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. En ce moment, nous t'évoquons, oh Jésus, en première place. Dans ce moment, Seigneur, prends la première place, prends cette place, celle qui te convient, chantons-le. En la première place, Seigneur, prends la première place, en la première place, celle qui te convient, disons-lui. En la première place, Seigneur, prends la première place, en la première place, celle qui te convient. Il m'aime encore.
à Jésus. Jésus t'a pas oublié, il m'aime encore. Il t'a pas oublié, il m'aime encore. Mon Dieu m'a pas oublié, il m'aime encore. Il m'a pas oublié, il m'aime encore. Jésus t'a pas oublié, Père, il m'aime encore. Il m'a pas oublié, il m'aime encore. Jésus t'a pas oublié, Père, il m'aime encore. Il t'a pas oublié, tu m'aimes encore. Jésus t'a pas oublié, Marie, tu m'aimes encore. Il t'a pas oublié, tu m'aimes encore. Jésus t'a pas oublié, tu m'aimes encore. Il m'a pas oublié, tu m'aimes encore. Est-ce que par tes propres mots tu ne peux dire au Seigneur, je reconnais que tu m'aimes encore. Tu es celui-là qui ne m'a pas oublié. Tu es celui-là qui crée des circonstances agréables autour de moi. Tu es celui-là qui agit dans ma vie. Tu es celui-là qui transforme mon cœur. Tu es celui-là qui vient me visiter quand je suis abattu. Est-ce que je peux parler toi-même par tes propres mots, Seigneur? Lui dit, Seigneur, je reconnais que tu es celui-là qui ne m'oublie pas. En considérant ma vie, en considérant ma marche, en considérant le fait simplement que je peux respirer, en considérant simplement le fait que je peux être en ta présence. Élève ta voix, pas tes propres mots, parle au Seigneur ce soir. Oui Seigneur, nous venons au-devant de toi, nous reconnaissons que tu ne nous oublies. Parlez mes soeurs, utilisez mon micro, parlez au Seigneur vraiment d'un cœur sincère, parce que c'est lui qui nous permet d'être en ce lieu, c'est lui qui nous permet, oh Dieu puissant, d'être dans sa présence. Et il ne nous oublie pas, quand nous crions à lui, il est là pour nous écouter, pour nous exaucer. Il est celui qui est capable de faire des miracles dans les situations difficiles que nous traversons. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, oh Dieu, et nous reconnaissons que toi seul es Dieu. Nous reconnaissons que toi seul es bon, nous reconnaissons que toi seul peux faire ce que aucun homme ne peut faire dans nos vies. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es celui-là qui est vivant. Toute ta parole dit que là où deux ou trois sont assemblés, de nous, tu es présent. Et nous saluons véritablement ta présence en ce lieu, car tu ne nous oublies pas. Alléluia à toi. Ce jour-là que nous acclamons, c'est quand vous nous voyez dans la joie, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il avait quelque chose dans nos vies. Nous étions avant dans le monde et nous marchions d'une manière vaine. Mais Dieu, dans sa bonté, a fait du bien à nos âmes, a fait du bien à nos cœurs et nous a donné de connaître le Seigneur Jésus. Et nous sommes dans le salut. Alléluia. C'est ce jour-là que nous voulons célébrer. Nous voulons dire au revoir aux péchés, au revoir à toutes choses qui étaient auparavant le passé, des obstacles dans nos vies, mais maintenant que nous sommes en Christ, il nous donne l'opportunité de devenir de nouvelles créatures. Alléluia. Amen. Je vais donner l'opportunité à mes soeurs de pouvoir interpréter ce chant-là. Bienvenue au centre de restauration de l'âme. Ce n'est pas nous, c'est l'Éternel qui vous invite à cette belle journée de louange et adoration, car vous avez confiance en Dieu. Welcome to the team. Encore une fois, merci pour votre volonté. C'est des points positifs dans votre vie. Any question or feedback? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter www.centre-restauration-de-l'âme.com et vous pouvez aussi nous contacter soit par email ou soit numéro de téléphone. Notre email est centre-restauration-de-l'âme@gmail.com. Et notre numéro de téléphone est 450-286-1509 ou sur notre page Facebook Centre de Restauration de l'âme, soit sur notre chaîne YouTube Centre de Restauration de l'âme. Merci pour votre confiance en Dieu. Oh Lord, Jehovah, you, I trust in you. Oh Lord, Jehovah, you, I trust in you. I believe you are the God of miracles. You are the God of wonders. You are the God of powerful. I believe you
will move by you. I trust in you. Oh Lord, Jehovah, you will trust. I trust in you. Hallelujah. I believe you. I trust. Hallelujah. In you. Oh Lord, Jehovah, you. I trust in you. I believe you are the God of miracles. You are the God of wonders. You are the God of powerful. I believe. So long, bye-bye. Goodbye to my pain and my sorrows. Amen. Nous sommes une génération choisie, appelée pour monter son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'a donné, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour monter son excellence. Quand j'ai besoin, je me l'a donné, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, où je suis en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche la puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche la puissance, j'accomplis les miracles, je suis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour monter son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je marche dans la puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je marche suis. Je marche dans la puissance. Alléluia. J'accomplis les miracles.
sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Tu as une armée qui se lève pour lui obéir. Tu as une armée qui se lève pour l'adorer. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple, peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui le mène au combat. C'est l'Esprit de Dieu qui le mène à la bataille. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Tu as une armée qui s'élève pour lui obéir. Tu as une armée qui s'élève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Disons-lui encore ça. Peuple de Dieu, lève les mains. Nous mène en sa présence. C'est l'Esprit de Dieu qui agit, transforme nos cœurs. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler.
Dieu veut parler. Dieu veut parler. Oui, Seigneur, parle à nos cœurs ce soir. Pendant que nous sommes assis en ta présence, pendant que nous te célébrons d'un cœur sincère, pendant que nous te parlons, ô Dieu, pensée quantique, parle à vos cœurs. Tu es le seul sembleur, le seul capable de changer nos situations, le seul capable de transformer un cœur, le seul capable d'agir dans nos vies, le seul capable de nous soutenir, le seul capable de transformer le cœur d'un homme, le cœur d'un pécheur, le seul capable de nous élever, le seul capable de nous bénir, le seul capable de transformer nos situations, le seul capable de nous guérir. C'est à toi que nous élevons notre adoration ce soir, parce que tu le mérites. Alléluia. Pendant que nous allons continuer à adorer ce Dieu-là, en disant tu es le Dieu Tout-Puissant, et nous allons considérer le fait que c'est lui qui nous a créés, mets-toi dans une position d'adoration, considère ta vie, considère tes circonstances, et sois vraiment conscient qu'il y a un Dieu qui agit, il y a un Dieu qui transforme, il y a un Dieu qui fait du bien à nos âmes. Alléluia. Nous allons chanter ce cantique, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Alléluia. Alléluia. Que ton amour. Alléluia. Rien n'est plus grand que son amour pour nous. Alléluia. C'est pour ça que nous allons continuer en élevant ce cantique qui dit, si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Alléluia. Amen. Et quand nous entendons cette voix du Seigneur qui nous parle, alors nous comprenons qu'il a payé un grand prix pour notre liberté. Il a payé un grand prix pour que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Amen. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, 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 coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, 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 coule comme un torrent. C'est à lui la majesté, c'est à lui l'autorité. C'est lui qui règne et c'est lui qui mérite toute notre adoration. Nous avons comme il dit, majesté,
C'est toi la suprême autorité et c'est en toi que nous faisons confiance ce soir. Toi qui, au-delà des instruments, au-delà de la musique, peut écouter nos cœurs te chanter un cantique d'adoration, peut écouter nos cœurs s'exprimer, exprimer la joie. À toi la majesté, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Majesté, à lui la majesté, en Jésus, sois louange, honneur et gloire, majesté, suprême autorité, tu es des cieux, ton règne vient sur tous les saints. Nous disons majesté, majesté, à lui la majesté, en Jésus, en Jésus, sois louange, honneur et gloire, majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les saints. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Suprême autorité dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi notre majesté. Est-ce que tu peux lui dire encore, Seigneur, je reconnais que tu es ma majesté. Tu es celui-là qui règne. Parle par tes propres mots. La terre et le ciel ont été créés par sa parole. Et c'est lui seul qui mérite la louange. Élevons nos voix pour dire, Seigneur, majesté à toi, suprême autorité à toi. Alléluia, Seigneur, oui. Nous reconnaissons que toi seul es la majesté. Toi seul es celui-là qui mérite la louange. Toi seul es celui-là qui mérite, ô Dieu, l'autorité. Parce que c'est toi qui nous a fait. Nous sommes, ô Dieu, des créatures. C'est toi qui nous fais du bien. C'est toi qui peux nous visiter. C'est toi qui peux, ô Dieu, agir dans nos vies. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous célébrons ta bonté. Nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons ta toute puissance. C'est toi qui règnes au-dessus de toutes choses. C'est toi, oh Dieu, le créateur de l'univers. Et nous t'adorons, oh Seigneur. Nous reconnaissons que tu es le roi des rois. Et tu resplendis de gloire. Tu es celui-là, oh Seigneur, devant qui les 24 vierges se coupent en adoration. Pour dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. Le ciel est rempli de sa gloire. Nos vies sont remplies de sa gloire. Parce qu'il mérite la louange. Celui-là qui agit dans nos vies. Celui qui peut dire non. Personne ne dit oui. Celui qui peut dire oui, personne ne dit non. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur pour cette grâce que nous avons de te célébrer, pour cette grâce que nous avons de t'appartenir comme enfant. Merci parce que tu as fait le choix de faire de nous tes enfants, des princes et des princesses. Reçois la louange, reçois l'adoration au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons continuer à chanter ce cantique qui dit ce nom est merveilleux, que ton nom est merveilleux. Parce qu'il y a eu plus de 2000 ans, quelqu'un a accepté d'aller à la croix de Golgotha. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Et il a payé le prix afin que toi et moi, nous soyons
sauver et que nous quittions le royaume des ténèbres pour venir dans le royaume du Fils de son amour. Chante-lui ce cantique. Et si tu ne connais pas les paroles, médite sur ces paroles lorsque nous allons l'interpréter et que Dieu te bénisse. Parce que le nom de Jésus est un merveilleux nom. Au nom de Jésus-Christ, les genoux fléchissent. Au nom de Jésus-Christ, les maladies partent. Au nom de Jésus-Christ, nous recevons la guérison. Au nom de Jésus-Christ, nous recevons la paix. Au nom de Jésus-Christ, les boiteux se lèvent. Au nom de Jésus-Christ, les aveugles voient. Et c'est ce nom-là que nous voulons apprécier. Parce que c'est le nom qui nous est donné en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. 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 Il est le Dieu qui a créé toutes choses. Il est l'auteur de la création. Alors nous allons juste élever nos voix et lui dire combien il est merveilleux, combien il est glorieux, combien il est victorieux, combien il est puissant. Et chante-le avec tes propres mots, chante-le avec vraiment tout ton cœur, parce que le Seigneur regarde à ton cœur. Il ne regarde pas à ta voix, il ne regarde pas à ton accoutrement, il ne regarde pas à ton vêtement, mais il regarde au son qu'il a déposé bien avant que tu ne sois ici, bien avant que tu ne sois sur terre. Il a déposé ce sang-là. Alors élève le cantique avec nous en cœur. C'est ce nom ici merveilleux, le refrain. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Dis-le, dis-le, ne t'arrête pas de chanter, car c'est un nom glorieux. Alléluia. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent sa gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans égal, tu es sans rival, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, dis-le. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ.
Jésus. Encore une fois. Oh, ce nom est victorieux. Chante-le. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te loue de tout mon cœur, de tout mon être. Seigneur, je te loue, louange de mes lèvres, louange de mon cœur. Que tout ce que je fais te glorifie. Seigneur, je te loue de tout mon cœur, de tout mon être. Seigneur, je te loue, louange de mes lèvres, louange de mon cœur. Que tout ce que je fais te glorifie. Seigneur, je te loue de tout mon cœur, de tout mon être. Seigneur, je te loue, louange de mes lèvres, louange de mon cœur, que tout ce que je fais te glorifie. Seigneur, je te loue de tout mon cœur, de tout mon être. Seigneur, je te loue, louange de mes lèvres, louange de mon cœur, que tout ce que je fais te glorifie encore. Seigneur, je te loue de tout mon être, de tout mon cœur. Seigneur, je te loue, louange de mes lèvres, louange de mon cœur. Que tout ce que je fais te glorifie. Oh, 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 oh. Que tout ce que je fais te glorifie. Oh, 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 que tout ce que je fais te glorifie. Que tout ce que nous faisons te glorifie. Que toutes nos paroles te glorifie. Que toutes nos pensées te glorifie. Que tous nos cœurs te glorifie. Que toutes nos actions te glorifie. Que nos caractères te glorifie. Que notre adoration te glorifie. Que nos âmes te glorifie. Que notre corps te glorifie. Que notre Église te glorifie. Que nos voisins te glorifie. Que nos familles te glorifie. Que nos actions te glorifie. Oui, Seigneur, que nos pensées, que nos cœurs, que nos actions, que tout ce que nous faisons te donne gloire. Seigneur, c'est avec ce cantique que nous allons, ô Dieu Tout-Puissant, nous arrêter au-devant de toi pour dire, Seigneur, toi seul mérite la louange, peu importe les circonstances, peu importe les appareils, peu importe la technique, peu importe, ô Dieu, la salle, devant toi nous nous tenons et nous te donnons notre adoration, nous, parce que toi seul mérite. Reçois la louange, Seigneur, reçois l'adoration. Merci parce que tu nous honores de ta présence. Merci parce que ces cantiques, premièrement, en nous rendent ministère et rendent ministère aussi à ceux-là
qui nous ont écoutés. C'est vraiment avec action de grâce, avec simplicité de cœur, que nous avons élevé ces chants au-devant de toi, en ayant foi que tu nous as écoutés, tu nous as exaucés et que tu as pris plaisir à écouter cette mélodie. Ce n'est pas tant la mélodie, ce n'est pas tant, ô Dieu, les instruments qui te donnent gloire, mais c'est nos cœurs, ô Dieu, au-devant de toi, que tu écoutes, car tu dis, tu lis les cœurs, tu lis les pensées des cœurs. Et ce sont ces cœurs-là que nous amenons au-devant de toi, tels que nous sommes, sans hypocrisie, sans fausseté, pour te dire, toi seul mérite la louange. Nous apprécions ta bonté. Nous apprécions la grâce d'être tes enfants. Nous apprécions la grâce de t'appartenir en tant que peuple. Nous apprécions la grâce d'être appelé enfant de Dieu. C'est un titre que nous avons hérité avec la nouvelle naissance. Et nous célébrons, ô Dieu Tout-Puissant, ce grand Dieu qui a voulu partager son royaume avec nous, qui a pris en considération le fait que nous serons faibles et qui s'est abaissé à nous et nous a couvert de son amour et nous a rempli de sa compassion pour nous relever de la poussière et du péché dans lequel nous étions. Nous te donnons en retour l'adoration parce que tu mérites. Gloire et louange à toi. Père, en ce moment, nous voulons tout simplement te dire merci. Merci pour le nombre que nous formons au-devant de toi. Merci pour chaque personne qui a pris au sérieux cette invitation de venir te célébrer. Nous prions afin que, ô Dieu Tout-Puissant, que cela soit inscrit dans le livre de vie et dans le livre des actions de ces personnes-là. Parce que nous savons que tu ouvres de temps en temps ce livre pour faire du bien à ton peuple. C'est pour ça que je prie en retour pour ces hommes qui ont pris à cœur, qui ont eu à cœur de venir se tenir dans ta présence. Ô Dieu, pour te louer et pour t'adorer, je veux te présenter spécialement et particulièrement chacun d'entre eux. Je prie afin que, ô mon Dieu, mon roi, tu les bénisses en retour. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Ma main, ô Dieu, ne peut pas toucher où ta main peut toucher. Je prie afin que tu étends ton bras d'amour dans leur vie et que tu puisses toucher les situations difficiles, tu puisses toucher les situations impossibles. Je prie afin que pendant qu'ils vont quitter ces lieux pour rentrer chez eux, Seigneur Dieu, que tu les visites en chemin. Je prie afin que tu ôtes toute chose qui était comme un obstacle sur le chemin. Je prie particulièrement pour les situations difficiles qu'ils peuvent traverser, pour les situations qu'ils considèrent comme impossibles. Ô toi le Dieu qui ressuscite les morts. Ô toi le Dieu qui agit où l'homme ne peut pas. Ô toi le Dieu qui peut renverser les vagues de la mer. Toi le Dieu qui peut calmer les tempêtes. Je prie afin que tu visites quelqu'un et qu'il rende témoignage afin que Dieu m'a réellement visité pendant ces moments de louange-là. Je prie, ô mon Dieu, mon roi, que tu fasses quelque chose de différent dans la vie de chaque personne. Je prie, ô mon Dieu, mon roi, que toi qui viens rencontrer même ceux-là qui n'ont pas demandé à être rencontrés, que tu rencontres chacun d'entre eux. Je te les présente personnellement dans leur situation, dans leur, oh Dieu, dans leur difficulté et aussi dans leur bonne marche. Bénis-les, fais quelque chose, pose une action différente dans la vie de chaque individu afin qu'ils témoignent que réellement Dieu est vivant, réellement Dieu m'a visité, réellement Dieu a changé ma situation, réellement Dieu s'est levé, véritablement Dieu existe, véritablement Dieu agit encore et il entend les prières. Père, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais le cri de chacun d'entre nous. Je veux te présenter particulièrement chaque individu qui est en ta présence en ce moment. Ô mon Dieu, mon roi, est-ce un problème? Apporte la solution. Est-ce un besoin financier? Apporte pourvoir à de l'argent. Est-ce un travail? Pourvoir. Est-ce des études? Donne la réussite. Est-ce tout simplement ces moments? Est-ce tout simplement une recherche de Dieu, une soif de Dieu? Seigneur, tu es le Dieu qui descend, agit et comble cette soif. Fais du bien à quelqu'un ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te donne les actions de grâce, parce que je sais, ô mon Dieu, mon roi, que tu as exaucé cette prière, que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parce que me sentiment m'a tout merci. Parce que me dormi me lever m'a tout merci. Parce que au bon la vie m'a tout merci. Ouais, couper dans bien bas devant pour me dire
merci, merci Seigneur, merci. Moi, coupé de bien bas devant pour me dire merci, merci Seigneur, merci. Encore merci, parce que vous bombe la joie, ma tout merci. Parce que vous bombe la vie, ma tout merci. Parce que vous êtes bon Dieu, ma tout merci. Parce qu'on toujours avec, ma tout merci. Parce que vous bombe la victoire, ma tout merci. Parce qu'on voulait roche, ma tout merci. Parce qu'on gâche les chaînes, ma tout merci. Parce que vous guérissez moi, ma tout merci. On nous couvre de nous. Moi couvre d'un bien bas devant, pour me dire merci. Merci Seigneur, merci. Moi couvre d'un bien bas devant, pour me dire merci. Merci Seigneur, merci. Salut ma sœur Marilyn, on te voit dans cette journée de louange et d'adoration sur le centre de restauration de l'âme. Comment s'était passée la journée, cette journée d'aujourd'hui pour toi? Bon, la journée ça s'est bien passé, c'est sûr que on chante pour la gloire de notre Seigneur. Donc toutes les raisons sont bonnes pour pouvoir se retrouver ensemble, se regrouper, chanter, célébrer, parce que justement on sert un Dieu qui est grand et on a le privilège de pouvoir avoir cet espoir, cette espérance de vie par rapport au fait que nos croyances et nos valeurs, donc on peut le partager ensemble, communier ensemble, donc c'est toujours une grande fête lorsqu'on se retrouve ensemble. On voit tu es accompagné des messieurs à côté de toi. Tu peux te présenter pour cette journée. Tu as apporté, qu'est-ce que ça t'a apporté lorsque tu es venu dans cette journée de louange et d'adoration? De louange et d'adoration, bon, je me présente Jerry. Yeah. Dieu appelle toujours tout le monde. Il sait qu'il a une misère à venir. J'ai dit non, oui, et Dieu m'appelle toujours. Dieu appelle toujours tous ses enfants de Dieu. Okay. Aujourd'hui, j'ai mis toutes les séances qui commencent, qui débutent, qui agrandissent, juste agrandissent. Et Dieu a fait le coup de miracle avec nous. C'est ça. Salut Patricia, comment s'est passée la journée d'aujourd'hui? Bonjour, bonjour mon frère, bonjour à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Le lancement a été merveilleux, c'était une première. Nous espérons vous voir la prochaine fois. Nous avons dégoûté, nous avons d'abord célébré Dieu, nous avons loué. C'était un moment vraiment bénissant. J'essaie de vous transmettre ce que j'ai reçu, la paix dans mon esprit que j'ai reçu ce soir. Donc soyez bénis au nom de Jésus. Merci beaucoup. Vous connaissez enseignante de la parole, Bissa. Oui. Non. Comment s'est passée cette journée d'aujourd'hui de louanges et d'adoration? Oh, je suis vraiment dans la joie. Je pense que la merveilleuse chose que nous avons eue pendant cette journée, c'est la présence de Dieu qui a été là, qui a couronné la beauté de toutes choses. Vraiment, nous avons adoré le Seigneur d'un cœur vraiment libre. Nous l'avons célébré et au-delà de toutes choses, nous bénissons le Seigneur pour les invités qui ont honoré la présence de Dieu, qui ont été avec nous et qui ont partagé ce glorieux moment dans la présence de Dieu. Fait que nous pouvons seulement célébrer Dieu et lui dire un grand merci pour le fait qu'il ait été avec nous et que ce moment s'est bien passé. Nous avons eu une bonne température et vraiment les gens ont répondu à l'appel et nous bénissons le Seigneur véritablement pour ce moment. Peu importe comment, nous avons eu quelques petites difficultés techniques, mais Dieu était là, tout et tout au contrôle. Gloire et louange à Dieu. Merci pour cette interview. On va là-bas. Bienvenue au centre de restauration de l'âme. Ce n'est pas nous, c'est l'Éternel qui vous invite à cette belle journée de louange et adoration car vous avez confiance en Dieu. Welcome to the team.
Encore une fois, merci pour votre volonté. C'est des points positifs dans votre vie. Any question or feedback? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter www.santerestaurationdelame.com. Et vous pouvez aussi nous contacter soit par email ou soit numéro de téléphone. Notre email est santerestaurationdelame@gmail.com. Et notre numéro de téléphone est 450-286-1509 ou sur notre page Facebook Centre de Restauration de l'âme, soit sur notre chaîne YouTube Centre de Restauration de l'âme. Merci pour votre confiance en Dieu.